direction le sud de la France cette semaine dans M comme maison. Un numéro inédit du magazine de Stéphane Thébault est diffusé ce vendredi 2 juillet à 21h05 sur C8. Dans celui-ci, l'animateur, accompagné de la passionnée de décoration Tania Bruna Rosso et des architectes Karine Martin, Gaël Cuisy, Stéphane Millet et Cécile Simeone feront cap sur Villefranche-sur-Mer. Une petite ville colorée située entre Nice et Monaco, en face de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat et où il fait bon vivre. La joyeuse équipe nous emmènera donc à la découverte de propriétés toutes plus singulières les unes que les autres, en distillant de précieux conseils pratiques en matière d'aménagement, de réagencement et de design. Il sera aussi question comme d'habitude de bons plans et de dernières tendances déco pour un intérieur à la page. M comme maison, qui est Tania de Rosso, l'acolyte de Stéphane Thébault? Dans M comme maison, Stéphane Thébault et Tania B. Rosso forment un duo de choc très complice. Si celui qui a présenté la Maison France 5 pendant de nombreuses années était déjà habitué à cet exercice, pour sa collègue il s'agit d'un nouveau défi. L'ancienne chroniqueuse du Grand Journal, s'était confiée sur son arrivée dans le programme, dans les colonnes de Télé 7 jours, « J'ai rencontré le producteur de l'émission, Patrice Haroun, via mon ancienne styliste du Grand Journal. » Estie son mari. Au départ, il avait pensé à moi pour un projet d'émission de décoration. Puis, plus rien. Patrice m'a rappelé, en février dernier, pour partir à la rencontre de designers dans M comme maison. J'ai alors découvert que le programme était une adaptation pour C8 de la Maison France 5, l'émission préférée de mes potes, expliquait-elle. À l'aise devant la caméra, Tania de Rosso scène Soro la main dans M comme maison et apporte selon Stéphane Thébault une petite touche de fraîcheur à l'émission.